Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour Message Angélique. Je vous laisse donc découvrir les deux cartes ainsi que le conseil de l'ange à la fin de la vidéo. A tout de suite. Vous pouvez choisir la carte avec la marguerite ou la carte avec le pétale couleur mauve. Je vous laisse choisir. La carte avec la marguerite est bonté. La carte avec le pétale mauve est vérité. La première carte avec la marguerite, bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. La deuxième carte avec le pétale mauve, vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. La carte conseil, Daniel. L'aide. L'ange Daniel vous apporte la grâce, la beauté et la jeunesse. Même si vous croyez en être loin, appelez Daniel et vous verrez bien. Vous sentirez avec lui ce qu'est le regain, la régénérescence. Allez-y en confiance, votre ennemi est le doute. Demandez à Daniel l'aide nécessaire pour vous en débarrasser. Laissez les autres parler. La situation. Les choix vous font hésiter, parfois même angoisser. Appelez Daniel pour trouver celui du cœur. Daniel vous sort de l'embarras et des hésitations en vous mettant une petite lumière que vous ressentez comme un frisson. En développant avec lui ce rapport intime, vous découvrez les choix à faire sans vous poser de questions. L'amélioration. Vos paroles sont-elles dénuées d'arrière-pensée? Daniel vous le demande et vous aide à repérer ce défaut de vouloir convaincre. Vous vous apercevrez que parfois, vous embobinez vous-même. Il faut corriger le tir. Voilà, Message Angélique est à présent terminé. J'espère que ces petits conseils vous apporteront quelque chose. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Si ma chaîne vous intéresse, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait et me mettre un pouce j'aime pour m'encourager dans ce que je fais. Je vous embrasse.